comprendre le rugby, c'est avant tout dire toutes les vérités que certains ne veulent pas avouer. Alors quand on s'est réunis là, au bar des amis avec les autres zigotos du bouquin, forcément j'ai ouvert ma gueule. Parce que pour moi, le rugby, c'est du sérieux. Alors, c'est vrai que ce comité de rédaction, il a fini super tard ce soir-là. Parce que Didier, là, celui d'histoire, là, il nous avait ramené du jus de pomme qui faisait rigoler de son pépinier plus de dôme. Et bon, sur le coup, Patrick Palogue, il n'a pas trop apprécié parce qu'il a vomi sur la caricature de Jean-Mi Lafosse, c'est celui qui nous a fait la couverture du bouquin. Mais sur le coup, lui, il n'a pas trop rigolé. Hein. Et heureusement que Jean-Mi Cormary, il était là pour les séparer parce que ça a failli partir à la bouffe. Et j'ai bien cru que cette aventure littéraire se finissait ce soir-là. Voilà. Bref, fini la rigolade, je leur ai dit. Fini. Voilà, on va tout vous dire sur le dopage. Il faut percer la psy. Voilà. Alors, Didier, il nous servait son jus de pomme, enfin, son tourboyau. Et là, les langues se déliaient. Et moi, en tant que bon journaliste, je prenais des notes. Voilà. Et ça picolait. Et je prenais des notes. Et de là, il est sorti la plus décapante chronique sur le sujet. Voilà. Alors, on sait qu'on va se mettre pas mal de monde sur le dos, hein. La FFR, la Pro D2, le Top 14, hein. La 4ème série, le Honneur, en passant par les fédérales. Mais on s'en fout, on s'en fout. Et surtout pas mal de labos pharmaceutiques. De toute façon, je leur ai dit, hein, si on ne le fait pas, je me barre, voilà. Voilà, je me barre, moi. Hein. Voilà. Et dans tous les cas, voilà, il fallait qu'on la sorte. Et de cette soirée-là, on a sorti la chronique la plus décapante sur le sujet. Et là, je vais vous la lire. Alors, au dopage dans le rugby, c'est dans pas mal de clubs. Hein. Bien entendu, il faut considérer que ce panel, mais alors, par rapport à Bien entendu. Alors, ou bien sûr, clairement. Dans tous les sens du terme. Hein. Ou bien même prochain. Voilà donc la vraie raison de des installations nationales. Pourquoi? Je vous le demande, pourquoi? Au rugby, au tableau d'affichage, même les erreurs d'arbitrage sont que foutaises, comparé à un vrai cambriolage, hein, en cas de dopage. Ben, en conclusion, il est donc difficile d'être clair sur le dopage. Serait-il tabou d'en parler? Ouais. Ouais, mais j'espère que je ne serai pas censuré par le complot médico-rubicico-politico pour aller au bout. Hein. En tout cas, voilà, mais tout est dit, hein. À votre santé.